Chers amis, bonjour. Salut les gaillards, salut les gaillardes. Vous avez foutu quoi contre Niro, les gars? Sérieux. Bon, on rigole, mais je ne sais pas s'il faut rire ou pleurer, parce que très honnêtement, les joueurs qui ont joué au du Lausanne Sport contre le Stade Lyonnais, c'était tous les joueurs, les 15-20 joueurs qu'on va utiliser comme titulaires et remplaçants en Super League. Noé Dussen a inscrit son premier but avec le Lausanne Sport. 1-0 la mi-temps pour Lausanne. Un partout au milieu de la deuxième mi-temps et on se fait planter la tête. On se fait planter la tête 2-1 à la 70e minute. Donc il restait passé 20 minutes à jouer et on n'a pas été capable de revenir contre une équipe qui est fraîchement promue de première ligue promotion. Moi, ça me fait du souci. C'est la raison pour laquelle, vous avez vu, je vous ai dit, Noé Dussen, il vient de planter un but. C'est son premier but. Et très honnêtement, ce que je pense, c'est qu'il nous manque des joueurs de calibre de Noé Dussen. Il nous en manque un à chaque ligne. Il nous en refaudrait un deuxième en défense. Il nous en refaudrait un autre du calibre, je dis bien du calibre de Dussen, un autre en milieu de terrain et un autre en attaque. Honnêtement, il en faudrait trois. Il en faudrait trois. Ou alors deux. Deux ou trois. Mais pour bien épauler les moins expérimentés comme Guiguerre, Dabanli, Simone Grippo, qui font le taf, mais qui, voilà, ils ont leurs limites aussi pour l'instant. Guiguerre, lui, il apprend toujours le métier. Il a encore une large marge de progression, mais enfin, voilà. Et Dominique Schwitzer et tout ça. Et tout ça. Mais Schwitzer, je ne sais même pas s'il n'est pas parti. Non. Je crois pas. Non. Non, non. Non, Brighton Labo n'est pas parti, les amis. Il jouait la Gold Cup avec la Martinique aux États-Unis en quart de finale l'autre soir, et c'est pour ça qu'il n'était pas présent ces derniers temps avec le Lausanne Sport. C'est pas parce qu'il a quitté le club. Voilà, il y a ça à dire. Mais bon, moi je suis très inquiet parce que jouer la Super League avec cette équipe-là, c'est exactement pareil. Le Stade Lausanne s'est vautré 5-0 contre IB en match amical. Les recrues qu'ils font, c'est des joueurs de troisième division française pour jouer de la première division suisse. Donc ça laisse pantois, ça laisse songeur aussi quand tu as 5-0 contre IB. Quand tu vois nous aussi qu'on n'a pas été capable de faire mieux contre Yverdon, déjà ça me dérange beaucoup. Et bon, il y a eu le 3-1 contre Sion. Et je me suis dit, ah bah tiens, ouais, ça a légèrement mieux. Alors c'est dire que le niveau de Sion qui va pas du tout. On se plante hier contre Stade Lyonnais. Avec toute l'équipe type, sans mettre d'espoir comme titulaire. Hein. Donc tous les gars qui vont participer, les Dabanli, les Grippo, les Kukuruzovic, les Trajkovski, voilà. Hein. Et toujours le Roumain, là, Ariès, ou je ne sais même plus son prénom à lui, Ilié, un truc comme ça, oui, Ilié, oui, Rares Ilié, pardon, voilà, Rares Ilié, pas vu, pas pris de nouveau, troisième match avec le Lausanne Sport, troisième apparition, la nuit complète. Moi, je suis très, 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 très pessimiste par rapport à ce joueur, je vous le dis honnêtement, les gars, je vous le dis honnêtement. Et là, on a les trois quarts, enfin, on a l'équipe qui a eu de la peine à monter de Challenge League en Super League, où on n'a même pas fini premier. Elle est renforcée avec Rares Ilié. Elle est renforcée avec un espoir qu'on a mis avec les M21 parce qu'il n'a pas encore tout à fait la maturité pour jouer avec l'équipe première du Lausanne Sport, puis qui paraît que ça devrait venir. Je n'ai même plus son prénom, vous voyez, je vais bien. Et puis autrement, bah, le seul que je vois papable en ce moment, le seul. Comment? Le seul transfert que je vois qui tient la route, c'est celui de Noé Dussen. Et je crois que des Noé Dussen, il nous en faut des comme Noé Dussen, du même calibre, de la même trempe, il en faudrait encore deux, voire trois au Lausanne Sport, un par ligne. Dussen étant déjà en défense, en tout cas, il nous en faudrait un en milieu de terrain du calibre à Dussen et un en attaque du calibre à Dussen. Comme ça mettrait le liant de trois joueurs avec grande expérience, qui pourrait pousser les labos encore à faire mieux, pousser les Schwitzer à faire mieux, pousser les Dabanli, les Grippo à monter plus,
pousser les Alvin Sanchez à se dépasser, parce que Alvin Sanchez, c'est quand même une sacrée pépite, ça je vous le dis, c'est encore de la chance qu'on l'ait gardé, j'ai cru qu'on allait nous le piquer, mais enfin, on n'en est pas là. Mais par contre, je vous le dis honnêtement, il faut gagner contre Neuchâtel Xamax, et le vrai test, ça sera contre l'OGC Nice le 14 juillet au stade du Bois-Gentil. Les amis, je vous le dis honnêtement, si on ramasse 5 ou 6-0 contre l'OGC Nice, ça veut dire qu'on n'est vraiment pas prêt. Abonnez-vous à la chaîne, je reviens tout bientôt. Ciao!